Alright tout le monde, je suis Justin 1. On se retrouve sur la suite de Dying Light 2. Stay human. Donc là maintenant on s'est fait sauver par Akon. Pas le rappeur, mais Akon, le survivaliste dans le monde de zombies là. Mais ouais c'est ça. Fait que on était en train de se transformer. Je sais pas où est-ce que ça va déboucher tout ça. Mais ouais c'est ça, alright. Fait que on va, je peux parler avec elle. Est-ce qu'il y a ici? Y a-tu des affaires à loot? Non? C'est un chouette endroit. Prends pas trop tes aises. Pas besoin d'un autre coloc. Encore moins s'il est capable de nous voler pendant qu'on dort. Tous les pèlerins sont pas des criminels, tu sais. Il est mignon ton atelier, là. En plein assemblage de lampes UV, hein? Ouais. Tu devrais pas être ici. Akon risque nos fesses. T'as entendu? T'étais censé partir avec Akon. Excuse-moi, je t'ai fait peur, hein. Ça va mieux après t'avoir frappé. On est quitte, Janna. Aiden, c'est quoi cet endroit? C'est chez nous, notre atelier. On pourrait dire notre monde tout entier. T'es plus sympa qu'elle. Hé, dégage de là. Sarah ne fait confiance à personne, à part moi. En plus... je me bats mieux qu'elle, donc je peux me permettre d'être plus sympa. Ok, alright. Bon, on va aller voir. Oh. Pas mal. Où est le fichier? La cantine est là, au centre, après les décharges chimiques. Ah. Il faut que j'aille là-bas. Dommage. C'est bon. Le seul moyen d'y aller, c'est par le tunnel. Ils protègent le tunnel comme si c'était l'entrée du Valhalla, putain. C'est quasi impossible de passer. Tu peux m'aider à y aller? Est-ce que tu peux m'aider? T'as l'air de bien connaître la ville. Je vivais déjà dans cette ville bien avant que le monde ne parte en vrille. Je pourrais t'aider, mais... il te faut un biomarqueur. T'iras pas loin sans ça. Tu viens d'où? D'assez loin, j'imagine. Environ 2000 km. Oh merde! Comment t'as fait pour pas être infecté? Facile. J'ai évité les morsures. Ici, c'est différent. On est tous infectés. T'as entendu parler de Haran? Ils ont isolé Ville d'Or aussi. Ils ont construit des murs. Ils nous ont enfermés. Et en fait, c'est ce qui nous a sauvés. Et comment on se procure un biomarqueur? On peut pas se les procurer. À moins de connaître la bonne personne. Et moi, je la connais. Allons-y. Au fait, moi c'est Akon. Et moi Aiden. C'est un plaisir de te rencontrer. Bienvenue au paradis. C'est le paradis ici, est-ce qu'on a à Vildor? C'est ici? Par ici. Je pense que oui. Wow. Tu te débrouilles bien? J'étais militaire. Unité spéciale? Pendant 7 ans. J'ai même aimé ça. Sauf quand c'était pas le cas. Pour insubordination, j'ai été mis sur liste noire et mon compte bancaire a été vidé. J'ai fini par faire le taxi. Eh ben, les puissances sont tombées bien bas. Va te faire foutre. Au moins, j'ai appris à me repérer dans la ville. Allez! Carlis, j'ai oublié mon endurance. T'es trop faible. Sans inhibiteur, tu tiendras jamais. Est-ce que j'ai pas tout cassé la dernière fois que tu me l'as donné? C'était juste la première fois. Mais ensuite, ça s'améliore. Si tu survis, bien sûr. Bah là. Attrape ça. T'es sérieux? Tu veux me dire que j'aurais pu mourir? Si je te l'avais pas donné, tu serais mort de toute façon. Fait que c'était voulu que je tombe, moi j'étais sûr, si j'étais genre... parce que, alright. Je pensais qu'on était fucking endurant, man. Alors que non. Wow. T'es une machine, man. Dis-moi, pourquoi tu m'aides? Je sais que les gens ont généralement peur de vous.
Mais un pèlerin m'a sauvé la vie. J'ai été un pèlerin. Maintenant, je suis infecté. Ça va être beaucoup plus dur de voyager. Bienvenue dans ta nouvelle vie, mon ami. Va jeter un œil là-bas. C'est comme des coffres au trésor. Habituellement, il y a des trucs dedans. Jette un œil, je t'attends. Bosquet de toi. Lorsque vous traversez la ville d'or, cherchez les bosquets de toi. Sont des lieux à la végétation dense. Ok, là, je pense qu'on tombe dans l'open world là, de Ville d'Or, en fait, là, dans les murs, puis là, on peut plus aller à l'extérieur du mur. Ok, tout qu'est-ce qu'on a fait dans l'ancien épisode, d'après moi, on ne pourra pas y accéder. Et là, ce que vous tracez, hein, cherchez, hein. Ce sont des lieux à la végétation dense reconnaissable. Ok, avec leurs arbres jaunes. Il y a du miel, camomille, des autres sources de médicaments. En cas de besoin, vous pourriez aussi y retrouver des armes. Alright. C'est cool ça. Les gens plantent des tas de trucs dans des endroits comme ça. Au cas où quelqu'un ne pourrait pas rejoindre un abri avant la nuit. Ah, c'est cool. C'est bien pensé. On se mate. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Des cristaux. Quelqu'un a dû les planquer ici. Ils se sont formés quand on nous a balancé ces trucs chimiques. Certains croient que ça ralentit l'infection. Mais c'est juste des superstitions. Tu les récupères pas alors? Bien sûr que si. La superstition, ça rapporte un paquet. Puis ça me fait toujours plaisir de délester un type de son blé. Je cherche un coffre en particulier. Viens, je vais te montrer. Attends, j'avais-tu d'autres choses? Attends, j'ai d'autres choses. Moi, je ramasse tout. Ah, y'a du stock, là. Oh! Le parcours. Oh, ouais, encore Alice. Ah ouais, c'est bon. Allez. Stop. Alors, il y a une armée ici? Les pacificateurs. Ils traitent les gens comme ça aussi. Fais gaffe à eux. Ils gardent le tunnel par lequel tu veux passer. J'agirai avec prudence. Bien. Mais ça suffira peut-être pas. Ouais, c'est des vrais plaies. Ils énervent sérieusement les gens du bazar. C'est une vraie poudrière. Le bazar est à deux doigts d'exploser. Hey, on y va? Tu voulais pas me montrer quelque chose? Carrément, suis-moi. Oh! T'as pas de retomber en bas, moi, là. On y est presque. J'espère qu'il n'y a pas de surprise. Il se fait noir déjà? Après, on te récupérera un biomarqueur. Merde. Des voleurs. Attends. Non. Laisse. Si t'abîmes la serrure, tout est foutu.
Assez pour un biomarqueur? Où est-ce que t'as eu ça? J'ai parcouru cette ville dans tous les sens. Et j'ai jamais vu d'équipement GRE en état de marche depuis des années. La vérité. Je peux pas t'en dire plus, mais un ancien scientifique du GRE, Dylan, me l'a donné. Un gars du nom de Walls l'a tué. Avant de mourir, Dylan m'a donné la clé pour que Walls la récupère pas. Elle contiendrait des informations importantes. J'espère en apprendre plus au Fisheye. Ah, on verra bien, hein. Putain, on a mis trop de temps. Plan B, on dégage. Oh, ils font du parkour. On doit trouver une lampe UV. Le bazar. On peut y arriver. Suis-moi, vite! Ok, la lumière UV est un signe de sécurité à la nuit, ouais. C'est la seule véritable protection contre les infectés. Cherchez-la quand vous êtes poursuivi. Maintenez Q enfoncé pour utiliser votre instinct de survie et marquez la source de lumière UV. Tabarnak. T'es hot. Là-bas, dans la lumière. T'entends ça? On y est presque. Un peu plus loin. Ouvrez! Hello! Hakon. Allez, ouvre maintenant! Hakon, un hurleur arrive. Des biomarqueurs. On n'a pas le temps, on a un hurleur au cul! Des biomarqueurs. T'es sourd ou quoi derrière nous? J'ai dit des biomarqueurs. Là, voilà. Et le sien? Il est avec moi. Je dois voir son biomarqueur. Laisse-moi au moins passer la porte. Il faut que je voie son biomarqueur. Ah. Et un peu de matos électronique. Fatigant lui-même. Fumier. Ouvre. Oh, le trou de cul. Lui. Il appelle ses potes. Pas le temps, cours Aiden. Il appelle ses potes. Vite, ils nous ont presque rattrapés. T'entends pas, cours. Plus vite. Ils sont de plus en plus nombreux, Aiden. Ouais, passe là. D'où tu fais quoi, Calis? On est plus très loin. Montre-moi où aller. Cillian, c'est moi. Pas d'amis ici, hein. Cillian, occupe-les. Stressant, ça poursuivre. Cillian, putain, Cillian, allez. Cillian, j'espère que tu crèves pour aller bien dans mon cadavre. Ils sont agressifs. Non, Cillian!
On a réussi. Ça m'étonnerait qu'on ait fini. Les ennuis viennent jamais seuls. Oh merde! Arkon, laisse-nous entrer! Ouais, j'essaie. Filiale, c'est là. Comme dans GTA. Je pense. Aide-moi. On est vraiment dans la merde. Non. Oh, il est smart lui-même. Il y a un Chris Akon. Bon sang, Cillian. T'aurais dû attendre un peu plus longtemps. Presque mort. Je voulais pas avoir à nettoyer tes entrailles de bon matin. Ils sont partis, tu peux y aller. Allez, arrête de faire le salopard. Regardez ça. Où est-ce que t'as? C'est rare. Tu nous laisses entrer ou ça deviendra encore plus rare. Et c'est qui, ça? Je suis un pèlerin. T'es pas là depuis longtemps, hein? Comment t'es arrivé en ville? Je te raconterai tout, promis, laisse-nous entrer. J'ai attendu un pèlerin une fois. Il était censé... Non, laisse tomber, ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce que tu mijotes, Akon, hein? Je lui ai donné un inhibiteur, il a survécu. Mais t'es dingue! Il a besoin d'un biomarqueur. J'en ai pas. Des conneries. Je suis sérieux. Quel fils de pute! L'hôpital, alors? J'espérais éviter ça. Toujours à la recherche de la facilité, hein, Akon? J'ai juste besoin d'une leur puvée. Je reviendrai te chercher, tiens bon. Akon, pourquoi est-ce que tu l'aides? Est-ce que tu te souviens quand on aidait les gens? Moi, c'est sûr. Mais toi, ça m'étonnerait. Reste près de la lampe et repose-toi. Et n'écoute pas ce crétin. Déjà à l'époque, tu te souviens? Bien sûr que je m'en souviens, Brody. Un putain de chauffeur. 16, 14, 15. Là, je vais encore Alice. 16, 16, 18. Abandonné, je m'en fous lui avec. Oh, pour ce setup. Enfin, on a une planque. Ah, yes, sir. Super drôle.
T'as réussi ? Presque. Les biomarqueurs se trouvent à l'hôpital du GRE. Je serai bientôt prêt, mais pour faire le boulot, j'ai besoin de toi. Où est-ce que je dois aller ? Si tu te mets dos à la porte de Cillian, ce sera tout droit. Tiens bon. Exploration nocturne. La nuit, la ville est envahie par les infectés. Pour vous déplacer en sécurité, privilégiez les toits. Dans les rues, vous devriez éviter les hurleurs à tout prix. S'ils vous voient, ils vont hurler puis ils vont se mettre à notre poursuite. Pendant la poursuite, cherchez des cachettes sur les toits avec une lumière UV. Reste sur les toits, parce que si des hurleurs te repèrent... Ouais, je sais. J'ai pas envie de me retrouver contre l'un d'eux tito. Fait que l'hôpital. Une fois, j'ai emmené ma deuxième femme à l'hôpital. Tout droit. J'ai jamais conduit aussi vite de ma vie. Elle a perdu les os 3 mois trop tôt. T'as des enfants? On n'a pas pu sauver celui-là. Et à part ça, aucun à ma connaissance. Désolé. Tout va bien. Quelle personne normale voudrait que ses enfants voient un monde pareil? Pas ça. Oh, est-ce que... La porte est verrouillée. T'inquiète pas, trouve le vieux bus. Un bus ? À leur hache, un bus s'est écrasé dans l'hôpital. Il a traversé le mur. Tu peux l'utiliser pour rentrer dedans. Comme personne n'a pu entrer, il y a de fortes chances qu'il reste des marqueurs. Ah shit, je pensais que je pouvais rentrer. Ah, c'est par là. Oh merde. Oh merde. Ah, j'ai plus d'endurance. Ah, fuck. Tabarnak. Je pensais que je pouvais rentrer par là, là. Vous faites chier, là. Tabarnak. Pourquoi je peux pas rentrer? Ok, 1, 2, il y en a combien? Je suis capable de péter, je pense. Tu sais, je me soigne, mais je suis jamais soigné, j'ai plus de vie. Attends, j'ai combien de barres de vie là, Justin? Il y en avait 2 avant? Oh, pas grave. Oh, ouais, let's go. 1 à la fois. Oh my god, oublie ça, il y a bien trop de monde. Ah fuck, elle m'a vu elle. Attends, elle m'attend. Pas capable d'avoir accès, calice. Ouch. Chris, c'est quoi là? Elle me fait attaquer de partout là.
Ah, je peux ouvrir là. J'ai pas vu, man. Moi, je paniquais, là. Je voyais juste les zombies essayer de me courir après, calice, là, maintenant. Je suis à l'entrée principale. J'ai marqué un itinéraire sécurisé. J'attends dans le hall d'entrée. J'ai paniqué, mon chum. Faut que je check plus, je sois plus attentif. Je vais avoir ma deuxième barre de vie, mais que si je me soigne, je vais faire un test, là, c'est pas grave, là, si j'en gaspille un. Ah, il me reste une barre de vie, en gros. J'en avais deux tantôt, là, je suis rendu avec une. Hé, par là. Impressionnant, hein? Le GRE en a réquisitionné pas mal pour ses recherches pharmaceutiques. Quand tout est parti en couille, ils ont chopé des volontaires. Et ils les payaient une blinde. Résultat, un gros tas d'emmerdes. Encore un peu. Ouais, on arrête de sauter partout, Chris. On n'a pas beaucoup de temps, reste à côté de moi. Excuse-moi de t'avoir coupé, je checkais mes points de compétence. Ok, ça prend du temps avant qu'on ait des points de compétence. Oh, tabarnak! Porte est verrouillée. Voilà, Nasty. Tu sais comment ouvrir une serrure? Non. Bien sûr, tourne la clé. Ici, j'ai pas de clé. Ah, con. J'ai fait des milliers de kilomètres. Tu penses vraiment que les portes sont un problème pour moi? Je vérifie, c'est tout. Je pense qu'il y aura tout ce qu'il te faut dans cette pièce, maestro. Tu as trouvé des pièces. Ah. Avec ça, tu peux fabriquer des crochets. Ah, c'est sûr. C'est sûr, je vais pouvoir me faire des crochets, j'ai full de stock. Je peux en faire 38. M'en faire 2, là. Ben, peut-être pas 2, mais juste, tu sais, pour garder de la ferraille. Ben, je n'ai fait 6. Ok, c'est bon, tout est là. Bien joué. Ok, pour crocher une serrure, vous devrez toucher la bonne position pour le crochet supérieur. Déplacez le crochet supérieur avec la souris. Pour tester la position du crochet supérieur, appuyez sur A. On va faire des tests. Je comprends moitié qu'est-ce qu'ils disent. Comme Skyrim. Ça va être facile d'abord. Ah, t'as pas menti. Tu connais ton truc. J'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de m'adapter. C'est quoi ce bordel? Ah si, j'ai ça quand il se met à sauter partout. Hop. Un petit coup de main. Et voilà. Ça marchera pas. Chut, c'est parti. Par ici. Zone obscure droit devant nous. Reste calme. C'est l'hôpital qu'on avait été, nous autres? Je pense que ouais. Heidi, allez! Ouais. Aiden, bébé Aiden! Heidi!
Mia ? Heidi, où est-ce que t'es ? C'est une mauvaise idée, Mia. Si c'en était une bonne, ça serait pas amusant. Qu'est-ce que tu fais ? Mia, pas sur le mur. Arrête de parler et donne-moi ta main. Plus là. Aiden. Est-ce que tout va bien? Ouais. T'es sûr? Merde. Parle-moi. Cet hôpital, j'en ai déjà vu un comme ça. Un site du GRE? Eh ben, il y en a plusieurs en ville. J'ai ces souvenirs. La personne que je cherche, c'est Mia, ma sœur. Je t'ai déjà parlé de Waltz. T'as dit un truc, ouais. Je sais pas, tout se mélange dans ma tête. T'as effacé le souvenir, comme je l'ai fait pour ma troisième femme. Écoute, je suis sûr que l'infection n'aide pas. Lâche rien. On va trouver le marqueur et sortir. Allons-y. C'est pas tant Chris, Freeman. C'est pour ça que j'ai décidé d'être honnête avec. Merci. Ah, c'est pas la même hôpital? On pensait que c'était la même hôpital. Mais vu qu'il n'y a pas les doigts, ben c'est pas la même, je pense. À moins qu'il ait lavé, mais je penserais pas. Il doit avoir la même architecture. Mais il y avait la même Marelle, par exemple. C'est la même hôpital ou non? Ah. Non, il y en a plusieurs, il a dit. Il y a des... Ok, mais Chris, il est déjà descendu en bas. Attends, je peux-tu loot ici? Attends, man. Je pensais que j'avais venu de trouver des piments. Oh! Des zombies en esti. Oh. Je fais loot, mais le dude s'est levé à la tête, là, ça m'a fait peur. Ben, peur. Tentais pas de me faire pogner. Il y a plein de sacs. Du virus, le GRE s'est mis à arroser la ville de cette saloperie. Ah. Ça leur a super bien réussi, hein. C'est pour ça.
Ils sont morts sur place, puis c'est pas des zombies. Fait qu'en gros, ça l'empêche le virus de se transformer, ben le monde à se transformer. Ce gars dont tu m'as parlé, c'était quoi son nom, Waltz? Ouais. Pourquoi t'as parlé de lui? Parce que je me rappelle qu'il faisait des sortes d'expériences. Ouais. Bah figure-toi qu'il n'était pas le seul. Il y avait d'autres villes comme Vildor, avec des murailles, coupées du reste du monde. Il y a pas mal de monde qui bossait sur un vaccin à Eden. Mais bon, le monde est rempli de connards. Ouais, ça c'est vrai. Je suis en train de manquer des loot. Hop. On va en profiter tant qu'on est dans un hôpital, sti. Y'a rien là, ok, c'est bon. Non, ah, je voulais aller voir la machine. Pourquoi il éteint sa torche dans les cinématiques? Si on voit rien. D'accord. Sois prudent, c'est pas stable. Yeah. Allez. Ah ouais. Laisse-moi une seconde. Vite. On a presque plus de temps. Ah, oh, je pensais qu'on était séparés. Ah. Je suis pas capable, quoi. Je vais pas y arriver. Attends. J'ai une idée. Tu te souviens du cocktail que je t'ai servi plus tôt à l'atelier des filles? Des inhibiteurs. Exactement. T'es tombé au premier étage. Y'a du stockage du GRE là-bas. Cherche des caisses blanches vertes. Les inhibiteurs devraient être à l'intérieur. Si tu prends une autre dose, tu devrais retrouver tes forces. Oh, on a plus de force, ok, c'est pour ça qu'on a plus d'endurance, puis c'est pour ça et tout que notre vie est basse. Ah, votre clé d'accès du GRE. Ok. Ok, ils sont là-dedans. Ok, c'est bon. Non, il n'y avait pas de son. Bon, fait qu'on était on est séparés. Il va y a quelque chose qui va se passer, ça c'est sûr. On va te l'accompagner. Oh non. Aveugle. Oh fuck, on a un rapace, man. Les six zombies, c'est astéroïde. Ah, il s'est sauvé. Essaye de le contourner. Oh, il est là. Thank you.
Ah non. Stressant? Oh, c'est là. Tu lis le rapace? Je pense que ouais. Okay, attends une minute là. Je vois pas grand chose, esti. Non, c'est pas un rapace. Il est juste énervé. On va essayer de checker son pattern un peu. Ok, il s'en va là. Il va aller niaiser là. Sois pas une poule mouillée, Aiden. Délimiteur à proximité. Il faut fouiller le plus qu'on peut. Ouais, calice. Ok. C'est le seul moyen d'augmenter votre endurance et votre santé maximale. Ils sont importants pour améliorer les attributs et permettra également de débloquer certaines de vos compétences. Chaque amélioration nécessite 3 inhibiteurs. Vous pouvez trouver des inhibiteurs dans les caisses grès. Ok. Là, il s'est. Ok. J'suis pendant 5 minutes. J'ai une endurance pendant 5 minutes. Quoi de là? J'ai pris l'inhibiteur. Fantastique. Retourne à l'ascenseur. Je t'attends. Ah, hey, là, dépêche-toi, là. Et ça, rester accroupi à terre quand il y a plein de zombies.
Akon ? Chris. Akon ! Dépêche-toi, j'ai trouvé les marqueurs. T'es toujours en assalement ? T'es parti un moment. Comment tu te sens ? Infecté, mais je suis prêt à y aller. Ah, bon, c'est cool. Désolé pour ça. Hein ? À propos de... À propos de ça, au nom de toutes ces putes, bandits et idiots, je te baptise citoyen de Vindor. Quoi ? Tu vas te transformer ! Vite, viens dans la lumière ! Oh ! Ah, j'ai skippé! J'ai fait espace pour sauter, puis j'ai skippé sans faire exprès, fuck! Le chier, ça? Ainsi que c'est mal chier, espace pour skipper! Tu vois, je t'avais dit qu'ils étaient rapides, ces enfoirés! Qu'est-ce que c'était cool? C'était moi une. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, pèlerin, hein? J'ai jamais voulu devenir un pèlerin. Je suis plus ou moins tombé dedans. J'ai parcouru le pays pour une toute autre raison. Je suis à la recherche de ma sœur. Et ensuite quoi? Ensuite? Tu feras quoi une fois que t'auras trouvé ta sœur? J'y ai pas réfléchi. C'est bizarre. On aura du temps pour ça, une fois que je l'aurai trouvée. Faudrait d'abord la trouver. Eh ben, moi aussi, j'ai un plan pour plus tard. Ça a l'air d'être ton genre, ouais. J'aimerais vivre près de l'océan. C'est censé être plus facile là-bas. J'ai toujours rêvé d'apprendre à surfer. T'es tombé sur un paquet de vieilles cartes postales ou quoi ? Ah. Te moque pas de mes rêves, mec. Je sais une chose. Faut que je me barre de cette ville. Elle me tue. De l'intérieur. Est-ce que tu m'aideras ? L'océan est bien loin d'ici. On est tous les deux infectés. Et les gens veulent pas de pèlerins pour voisins. On les emmerde. Je m'en occuperai pour... Et tu peux m'aider à survivre sur la route ? Tu connais les routes. Tu sais comment survivre en plein air. Qu'est-ce que t'en penses ? On pourra se couvrir les miches ? Ça marche pour toi ou pas ? Est-ce qu'on peut répondre ? Bah oui, man, c'est sûr. Yart, lui, Aiden nous a aidés. Ok. On y va. Génial. Ça marche. Yep. Tu le regretteras pas. C'est promis. Alors, pour ton objectif, voilà la situation dans le coin. Après le meurtre du commandant des pacificateurs, ils ont bloqué la route vers le centre. Ils veulent empêcher le tueur de s'enfuir. Pour arriver au fichier, faut être plus malin qu'eux. Et je sais quand ils changent la garde de nuit, ce sera notre chance. Je dois récupérer les trucs nécessaires pour passer. Il faut que j'évalue nos chances. En attendant, balade-toi. Vis un peu. Viens. Je vais te montrer un truc. Attends, il y a du stock à loot là, ici là. C'est cool, man, hôpital. Jette un coup d'œil sur la ville. Le vieux Vildor. Plein d'endroits intéressants à visiter.
comme mes jumelles. B. Tu vois l'église? C'est là que les hurleurs nous pourchassaient. C'est le centre du quartier. Tu trouveras des panneaux d'affichage de disparus un peu partout en ville. Il y en a un près de l'église. Peut-être que là-bas, tu trouveras quelque chose sur ta sœur. Et s'il n'y a rien, profites-en pour t'amuser. La fin du monde est derrière nous, pas vrai? Ça peut pas être pire. Je te recontacterai quand j'aurai pris les choses en main. Bon. Monde ouvert. Ok, mais comment je fais pour... Okay, je vais voir... Non, je vais pas mettre de marqueur, resti. Naviguer. Placer un point, légende, déplacer la carte. Ok, c'est le même. Marche pas, resti. Ok, ça c'est légende. Non? Déplacer la carte. Ça, je fais crèche, je clique dessus. Zoomer, dézoomer. Je vais voir en dessous. Tabarnak. Ah. Calice. Tuto à marde. Ok. Les rencontres, ça donne l'XP. Ah ouais. Je peux me faire, c'est quoi ça? Des couteaux de jet. Ah ouais. Placez-le sur vos ennemis pour interrompre leur attaque. Ok, je peux me faire des crochets, ouais. Ok. Dans mon inventaire, j'ai une nouvelle arme, mais je pourrais pas l'équiper. Ah, j'ai des pants! Cool. Attends, j'ai rien, 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 puis rien. Alright. Bon, ben, je pense que j'ai pas grand chose. Compétences, j'ai pas encore de points. Chris, le jeu, il dure combien de temps, man? Parce que j'ai beaucoup de stock à débloquer, puis j'ai jamais de points de compétences. Et à moins, il faut que je fasse quand même beaucoup de side quests, je sais pas, colonie de survivants. Passer du temps au bazar. Oh, on va suivre notre point, ouais. On va suivre mon histoire. Hop. Je peux passer ces fils. Ouais, des zombies, c'est toi. Avoir... Oh, sorry dude, sorry. Je l'ai sauvé. Ah, je les ai sauvés. Je savais même pas. Cavité sombre, magasin, il y a de l'abandon, whatever. Encore lisse, là, je t'ai curé de lire. Dépêche-toi, c'est... J'aimerais ça que ça se fasse plus vite les éliminations, quoi. C'est long.
Hey, mais c'est people, ça. Ah là, il y a ben trop de monde, là. Fuck off, toutes les suées, honnêtement. Là. Ça va? C'est qui, eux autres, là? C'est juste des survivants? Ah, oh, mais ok. Bon, mais tant pis, débrouille-toi tout seul. Je pensais, je l'ai... Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle vient nous parler, c'est quoi? Ah, ça... Oh, va donc chier. Hey, faut du parkour! Ah, je pensais que c'était un... Je vois quelqu'un... Je bouge pas! J'invite quelques copains en plus! C'est des ennemis? Il se passe des trucs là. C'est qui? Par ici les gars! Mouillez-vous! Me fait attaquer par des humains? What the fuck, dude? La civilisation n'est rien. Suivez-le! Tu crois que c'est bon? Bah non, chier, calice! Pourquoi t'en as ce problème, gros? Je t'ai rien fait! Tantôt, il se sauve de moi. Mange la merde. Ah! Il sait de qu'est-ce qu'il y a. Ouais, il t'attend que tu fasses son esti de vision d'aigle. J'ai fait space pour sortir. Ah, je reviens à la même calice de place où est-ce que j'étais. Je fais space ici parce que je veux juste qu'il interagisse avec le décor. Puis finalement, il fait juste sauter comme un esti de cave. Attends, on va descendre un peu plus. Mon dieu, c'est quoi ça? Là, il est allumé, là, il est éteint. C'est bon. Est-ce que j'ai lancé quelque chose? Non, c'est bon. J'ai entendu un petit cling. Puis je pensais que j'avais accroché un bouton, puis j'avais lancé une pièce. Ah, salut. Nous sommes ici réunis afin d'honorer la mémoire d'une des nôtres qui nous a quittés. Ah, c'est là! C'est là qu'on avait. On voulait tuer tout le monde. Moyen que j'y arrive. 5 ans d'apprentissage et tout ça pour envie de faire de l'argent facile. C'est quoi le problème? Hé hey, tu serais pas le pèlerin qu'il voulait pendre? Mec, t'as eu de la chance là-bas. Je pourrais utiliser un peu de cette chance. Je suis l'apprenti d'Alberto. Pas pour longtemps, probablement.
C'est la troisième fois que je tente ma chance à ce test. Si j'échoue encore, le maître artisan Alberto va me virer. Ok. En quoi consiste ce test ? Je dois concevoir quelque chose d'utile pour les citoyens. J'ai déjà inventé des lunettes de lecture sous-marine pour Alberto, puis une laisse de chien rétractable. Mais elle s'oreillait sans cesse, et en plus, on n'a pas de chien ici. Toutes mes idées sont inutiles. C'est ma dernière chance de prouver que je suis pas un bon à rien. J'ai donc passé les dernières semaines à me promener dans le bazar et à réfléchir. À réfléchir sérieusement. Et puis, j'ai trouvé. Nos chèvres. On les garde dans des cages parce qu'elles mangent des cultures. Mais la vie en cage les rend tristes. Et elles donnent moins de lait. J'ai donc eu l'idée d'une clôture. Alimentée par un tout petit peu de tension. Cela garderait les chèvres sous contrôle, mais leur permettrait de produire plus de lait. J'ai appelé cette invention la clôture électrique. Ok. Oh, alors, c'est quoi le problème avec votre invention ? Il me manque quelques pièces. Et elles sont pas faciles à trouver. J'ai peur de pas être prêt à temps. Peut-être que tu pourrais m'aider ? Si tu les trouves pour moi, je te donnerai une de mes inventions super cool. Rien à voir avec les chefs, j'espère. Non, quelque chose de beaucoup plus intéressant. Tu verras, j'ai juste besoin de pièces électriques. Je les démonterai pour récupérer les résistances et d'autres choses utiles. D'après ce que je sais, on peut les trouver à deux endroits. Il y a un vieux magasin de bricolage sur la place Fitzwilliam, près du château d'eau. Alberto dit qu'on peut en trouver là pour sûr. Mais c'est un lieu sombre, plein de créatures transformées. Tu dois y aller la nuit. Et l'autre option ? Ce qui reste des patrouilles militaires. Je connais un endroit au sud de Horshu, près de la vieille sous-station électrique. Les bandits rôdent dans la zone, donc il est possible qu'il reste rien là-bas. Dans ce cas, tu devras chercher d'autres restes de patrouilles ou faire un tour de nuit au magasin. Putain de nuit, hein. On dirait que t'as de la chance après tout. Il se trouve que j'ai ces pièces sur moi. T'es sérieux ? C'est juste fantastique. C'est le ciel qui t'envoie. La voilà. Franchement, je sais pas comment te remercier. Encore une chose. Tu pourrais m'aider à mettre en place mon exposition ? Mon installation est juste devant l'entrée principale. Allume-la, s'il te plaît. Je vais chercher Alberto. J'ai tellement hâte qu'il voit ça. Retrouve-moi à l'enclos des chèvres, près du mur. Ok. Une quête annexe. Ma femme était infirmière quand cette ville s'appelait encore. Hey, gamin, on serait pas sur Pèlerin ? Ah, lui, tu as des quêtes annexes. Je pensais à tous les jours. On va le voir à l'autre accès des chèvres, là. On y a déjà donné nos affaires. Ah. Tabarnak. T'es en train de regarder tous les morts ? Ça te dit qu'ils ont disparu ? C'est pareil. On les retrouve jamais de toute façon. À quoi sert le panneau alors ? Ça fait 15 ans. Il y a eu pas mal de disparitions à l'époque. Mon voisin a perdu ses deux gamins. Mais bon, la vie continue. Sauf que personne n'a le courage de retirer ses photos. Mais c'est sans espoir. Sans traceur nocturne, les recherches finissent toujours pareil. Ces traceurs nocturnes, parle-moi d'eux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ils sont presque tous morts. Quand ils étaient là, c'était les seuls à pas avoir peur de sortir la nuit. Ils secouraient ceux qui n'avaient pas réussi à rejoindre un abri à temps. Mais il n'en reste que quelques-uns du groupe d'origine, dont Franck, leur ancien commandant. C'était un type super avant. Maintenant, il boit comme un trou pour oublier, chez lui, dans la boucle centrale. Difficile de dire combien de temps il tiendra comme ça. Ok. Où sont passés tous ces enfants ? Depuis tout ce temps,
sûrement morts pour la plupart. Si quelques chanceux ont survécu, ils doivent sûrement se trouver dans la boucle centrale. Il y a plus de pacificateurs là-bas. C'est plus facile de survivre. Quelqu'un doit en savoir plus. Pourquoi ? Le passé, c'est le passé. Pourquoi vouloir déterrer tout ça ? On a tous nos problèmes. Ici et maintenant, pèlerin. On se bat pour survivre. Hein ? Juste regarder mes quests, mais aller faire au moins la quest de l'autre. Ah, ok, là on commence à avoir nos points de compétences pis tout là. Ah, ok, je le mentionne. Ah. J'ai bien peur pour la pluie d'aussi pas encore, non. Il me faut du papier d'alu pour le toit. Je vais pas beaucoup mieux. Tu t'es réconcilié avec ton frère ou toujours pas? Oh, les chèvres. Tout va bien? Non. Elle est grillée. La chèvre est grillée. Oh, je suis vraiment trop con. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû surévaluer la tension de la clôture électrique. Tu vois, il sert à rien. Je suis désolé. Je sais pas comment j'ai pu me tromper à ce point. Je t'ai dit que ce serait une perte de temps. Pourquoi? Je ne pense pas. C'est très, très... Il a ce gros énorme... T'es en train de dire que ça a du potentiel. Du potentiel, oui! Ça pourrait être une arme efficace. Une arme? C'est une formule toute prête. Si vous l'utilisez sur une arme, ça peut augmenter vos chances contre les créatures transformées. La chèvre courageuse a donné sa vie à la science. Il y a à manger pour tout le monde. Et toi? Je te prends comme un... Et te... Prononce... Maître artisan? Vraiment? Oh mon dieu, merci. Merci. On parlera plus tard. Ok. Viens, Vincenzo. Oh, ne faites notre quest. Je t'en remercierai jamais assez. Tiens, prends ça. Si c'est pas assez puissant, reviens à mon atelier de maître artisan. Ok, super, merci. Fais attention à toi, ok? Pas de soucis, mon ami. Ok. Ouh. Dix-neuf. Bon, mais gros, je vais mettre ça sur ma machette, mon chum. Alright. Bon, moi je vais rentrer à l'intérieur, on va finir l'épisode là, puis on va continuer notre quest principal après. Un peu de respect. C'était un lieu sacré. Non, mais ben ouais, c'est ça. Le vieux Hank s'est fait arracher. Ah. Attends, notre planque est en haut, on va aller voir. Tu pouvais pas faire pire. Facile à dire pour toi. Bon, c'est quoi ça? 15, 16, 19, 19, 18. Encore lisse. Ça sert à rien, ça encore. Alright. Hey, les autres, on se sait là-dessus, man. J'espère que vous avez apprécié. On va continuer ça pour une prochaine fois. Restez à l'écoute, à la prochaine. Ciao.